Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne. On va faire le premier championnat saisonnier à bloc. Il faut une voiture hypercar réglée en maximum S2 998 et vous devez remporter le championnat contre des avatars entrés doués. C'est parti. Comme voiture, j'ai choisi la Rimac Concept 2 de 2019 avec le réglage suivant: Eagle Jump et le code est 738-598-864. 738-598-864. C'est parti pour le championnat, on fait solo. On prend notre Concept 2 modifié. Je vous montre que les avatars sont bien bloqués en trait doué et c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Alors on va essayer de prendre la première place, essayer d'arrêter de faire n'importe quoi. Et voilà, nous sommes en tête, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Et voilà, nous sommes quasiment arrivés et nous sommes toujours en tête. C'est une course ni facile ni difficile. Donc la voiture est un peu trop nerveuse à mon goût, mais bon, c'est la Rimac. Et voilà, on vient de remporter la course assez facilement. On va passer à la course suivante. Voyons voir la course suivante. On va aller ici. C'est un sprint. Et c'est parti. On prend la Concept 2 de Rimac. Je vous montre qu'on est toujours en trait doué. Et on commence l'épreuve. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat. Et voilà, nous sommes en tête, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat final de la course. Et voilà, nous sommes quasiment arrivés et toujours en tête, je crois qu'on a une bonne avance. Bon, faut que je me concentre un peu sur la route parce que c'est pas évident. En plus, cette voiture est très très explosive, donc c'est vraiment pas facile. Mais je pense qu'on est tranquille pour la victoire. Et voilà, on arrive. Et on a gagné assez facilement. Cette course est plutôt facile en fait. ...40-30-30, ça c'est très intéressant. On va faire la troisième et dernière course.
Alors, elle est là-bas. On s'inscrit. On prend toujours notre concept tout modifié. Je vous montre qu'on est bloqué en très doué. Voilà. Alors, au niveau du classement, on a 40, 30, 30, 20. Donc, si tout va bien, on peut finir premier, deuxième, voire troisième. Ça devrait passer. On commence l'épreuve. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course, mais aussi celui du championnat. Attention ici, essayez de bien sortir, ça c'est pas trop mal. De toute façon, dès qu'on est deuxième, on est déjà virtuel champion. Même ici, on est déjà virtuel champion en théorie. Et voilà, nous sommes déjà virtuellement champion. Même pas besoin de finir premier, on peut tranquillement finir derrière celle-ci si on veut. J'ai un peu trop freiné. Je vais la caler. Non, j'ai raté mon coup. Oh, mais je suis passé devant. Ben voilà. Nous sommes premiers. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course et le résultat du championnat. Et voilà, nous sommes arrivés. Encore une course super facile. Et on remporte le championnat assez facilement. Faut juste réussir à dompter la voiture qui n'est pas évidente, mais sinon c'est bon. Et voilà, 60 points pour nous. Et on récupère notre récompense, la Lamborghini Urus de 2019. Et on vient de finir le premier championnat à bloc. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.